On s'appelle Gauthier Trédil 2 et c'est marqué, regardez, c'est beau, hein? Bon. Et ce véhicule, ben, il fait partie, on va lui donner un micro quand même, si je le trouve. Il est où le micro? C'est Laurence qui l'a. Elle est où, Laurence? Laurence? Tu m'entends, Laurence? Ah, allez. On va lui donner un micro. Ça marche? Alors, ce véhicule, bien sûr, c'est comme c'est marqué dessus. Il fait partie des transports Gauthier d'époque. Alors c'est un véhicule sans doute qui a dû être restauré. Tu peux nous en dire plus? Bah, c'est un véhicule qui a été offert par Volvo lors des 40 ans de partenariat STGVV. Ah bon? Restauré comme ça ou pas? Non. Non, il n'était pas du tout comme ça. Il était rouge, il avait un plateau. D'accord, il était en plateau. Et vous, vous l'avez donc vous l'avez restauré. Alors c'est une petite équipe? Au sein de... C'est une association, c'est quoi? Non, c'est... une entreprise? C'est des ateliers. Des ateliers, d'accord. Avec des ouvriers qualifiés. Quand ils ont restauré, enfin, la peinture et la restauration mécanique a été faite chez STG, et toute la carrosserie de la caisse a été faite chez Bizien à Saint-Paul-de-Léon. La caisse est neuve, inspirée des modèles d'époque. Hein, on se rappelle de Pelpel. Qui c'est qui se rappelle de Pelpel? Un carrossier qui a aménagé les camions. Moi, je m'en rappelle, quand j'étais gamin. J'étais carrossier et Pelpel c'était quelqu'un. Hein. Ah voilà! Ah ben voilà, Pelpel quand même. Les cabines Pelpel sont connues. Alors les couleurs, alors, là on voit blanc, vert et une bande, on va dire jaune, orangé. C'est les couleurs de transport de l'époque? C'est les premières couleurs de STG. C'est les premières. On rappelle STG, ça a été créé à quelle époque? Ça a été créé en 49 par mon grand-père. Ouais. Il a commencé avec trois camions. Qui s'appelle comment ton grand-père? Rémi Gauthier. Rémi Gauthier, c'était le précurseur de cette entreprise. Et donc, c'était les premières couleurs. Voilà, et après on est passé au blanc. Hein. Et le châssis jaune. Châssis jaune, voilà. Et donc, si Volvo vous a offert ce camion, c'est qu'à l'époque vous en aviez sans doute? On en a eu des comme ça, mais surtout les F88 et les F89. Ouais. Alors, on peut regarder l'intérieur. Alors, c'est un peu haut, hein. Regardez l'intérieur d'une cabine d'un modèle des années, donc on disait 40. Non. 50. Après 60. Et quelle année celui-ci? Eh ben, on ne sait pas exactement. C'est vrai? Vous ne savez pas l'année? Parce qu'on n'a toujours pas de carte grise. Et c'est en cours. Mais l'époque de ce camion, on peut le situer entre les fourchettes des années 60. Ce sont les années 60. Regardez l'intérieur. Alors, pour un camion, on a un volant. Alors, pour un camion, on a un volant qui est très incliné. Moi, je me rappelle des camions de cette époque, il était presque à l'horizontale, le volant. Là, il est assez incliné quand même. Un peu comme une voiture, l'inclinaison. Alors, on a un moteur, bien sûr, à l'avant. Hein, un levier de vitesse, un levier de vitesse sur le modèle. 5 vitesses. Pas de direction assistée. Les traits démultipliés, je suppose. Hein, que l'effort sur la pour se garer, je te voyais faire tout à l'heure. Aujourd'hui, les femmes conduisent les camions, à l'époque, elles ne pouvaient pas. C'est trop dur. Il faut le dire. Voilà. Et là, on a une banquette qui peut accueillir deux personnes plus le chauffeur. Donc trois personnes à l'avant. C'est bon, je refais. Et le moteur, est-ce qu'on peut le voir ce moteur? Je tiens le micro. Il est magnifique, comment vous le trouvez, hein. C'est un très très beau camion, il est fantastique. Regardez ça. Moi, quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, il vient régulièrement, hein, ce camion. Alors, on voit pas bien. Oh là là, alors ça, c'est un turbo. Hein, alors, ça, c'est un turbo. Je sais qu'à l'époque, il y a eu des turbos sur les camions. Et qui c'est qu'un spécialiste, là, à Volvo? Personne. Qui c'est qui a travaillé sur ces camions, ou qui a conduit ces camions? Personne. S'il y a quelqu'un, ah, on a un monsieur là. Si je ne me trompe pas, c'est un turbo qu'on voit. Ouais. Un gros turbo énorme qui dépasse le moteur de plusieurs centimètres. J'ai conduit ça. Alors, c'est intéressant. Ah ben voilà. Vous avez conduit ça à l'époque? Ouais, j'avais. Bah, quand je suis rentré chez Gauthier, il y avait des anciens comme ça. Vous êtes rentré à quelle époque chez Gauthier? J'avais. Enfin, on les a dit en 82, 83. Et il y avait encore des camions comme ça? Ah oui. C'était
déjà ancien, quoi. Ah bah oui, il y avait des 88, des 89. Ouais. On faisait des petites lignes avec ça. Ah non, on allait en gros, on faisait la France et l'étranger. La France et l'étranger avec ça. Ça devait être dur pour moi. Ah bah oui, il n'y a pas de chauffage. Hein. Pas de chauffage. Il n'y a pas de clim, ni... Ah non, il n'y avait rien. Comment on faisait pour chauffer? On s'habillait bien, l'hiver? On buvait du carburant. Du carburant. Du café, c'est ça? Ouais. Avec un petit coup de dedans. Voilà. Donc vous avez connu ça à l'époque. Voilà. D'accord, donc c'est plein de souvenirs pour vous. Ouais, ça me plaît bien. Ouais. C'est la belle époque. C'est la belle époque des transports routiers. Voilà. Il y avait beaucoup moins de camions qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce camion encore? 495, c'est quoi exactement? C'est le modèle. D'accord. C'est le modèle du camion. Alors c'est le moteur, c'est quoi exactement? Un 6 cylindres, hein? Je sais pas. Au niveau technique, c'est bon. Bah oui. Un 6 cylindres, bien sûr, diesel. Oui, diesel. Un diesel, et franchement, il a été super bien restauré. Ça vous a pris combien de temps pour restaurer un camion comme ça? Alors, le camion... Quand il est arrivé, quand il est arrivé, on s'est dit, il y a du boulot. C'était un plateau? Non, il est resté 10 ans sans bouger. 10 ans sans bouger? Bouger. Ouais. Et j'ai poussé mon père à le restaurer. D'accord. Mais il était rouge au départ. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il était rouge. Et ils ont offert par Volvo. Et on a décidé de le restaurer pour participer au Tour de Bretagne. D'accord. Un véhicule ancien. Et ça, c'était en quelle année, alors? C'est le premier tour de Bretagne, plus d'avion? 2014, alors, vivement récent, c'est pas vieux. Moi aussi, il m'a téléphoné cette semaine, et il m'a dit, je te rappelle vendredi. Bah, la caisse a été faite, ils ont pris le temps pour la faire. Ouais. Mais le reste? En 15 jours. En 15 jours? En 15 jours, ils ont démonté le moteur et fait la peinture. Fait la peinture. C'était rapide, il y avait une super équipe alors. Le matin, on est parti au Tour de Bretagne, il était encore sur la pousse. C'est vrai? Et pas eu de problème? Aucun. Ça marche super bien. Les Volvo, hein, c'est une très bonne marque. On sait que les camions Volvo, impeccable. Un camion comme ça, on peut chiffrer la valeur? Parce qu'on sait les voitures, ce que ça vaut. Des camions, moi j'ai pas de valeur. Ouais, mais ça vaut pas énormément par rapport à une voiture. Par rapport à une voiture, c'est pas très... Il y a moins de demande. Voilà. Et pour circuler, donc il n'y a pas de carte grise, vous disiez. Bah, non, W garage. Et après, on peut faire une carte grise collection. Oui, on est en train de la... Ouais. Je sais que pour les camions, pour tout ce qui est transport, c'est compliqué, hein, au niveau des cartes grises. Au niveau de la fédération, je sais que après, c'est compliqué. Il n'y a plus de contrôle technique sur les... Il n'y a plus de contrôle technique pour les vieux véhicules. D'accord, donc celui-là, il sera exempté de... Voilà, de très bon état. Il passerait sans problème. Voilà. Eh, vous pouvez l'applaudir. Regardez ce magnifique camion. Et merci encore parce que tu viens régulièrement avec des camions et tu en fais ici. Et continue. On adore ça, les beaux camions comme ça. Les beaux camions Volvo comme ça. Il est vraiment super. On dirait qu'il est neuf. Il sort d'usine, hein. Il sort d'usine, hein. Et pas de chauffage. Vous imaginez à l'époque partir à l'étranger, l'hiver, pas de chauffage. C'était autre chose, hein, le transport de l'époque. Je vais récupérer mon petit papier. Merci. Voilà. La famille Gauthier et son petit-fils. Alors, en quelle année, on a dit? Allez, on va continuer.